Bienvenue à Trefols. Nous sommes ici et pas ailleurs pour un illustrateur de livres d'enfants. Jean-Claude Gibert a signé des silhouettes aussi célèbres que celles de Mickey ou encore Babar. Il s'est installé dans la région il y a 5 ans avec un nouvel ami, Rocky. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Faites comme si je n'étais pas là. Je vous en prie. Nous avons surpris l'artiste en plein travail d'illustration du 9e tome des aventures de Rocky. Alors Rocky, c'est un petit chien très gentil qui est le héros d'une série de livres pour enfants, de petites bandes dessinées, miniatures. Il participe à de jolies petites aventures donc avec ses 4 amis, 2 garçons et 2 filles. Dans la série Rocky, rien n'est pensé au hasard, ni l'histoire écrite par Stéphane Valentin, ni les dessins imaginés par Jean-Claude Gibert, et tout cela réuni dans la douceur d'un coup de crayon. Alors il fallait qu'il ait plutôt une tête sympa ? Valait mieux, étant donné que j'étais à l'école de Disney, l'école de Babar et tout ce petit monde, c'est des personnages très gentils qui font rêver, mais ce ne sont pas des rêveries gratuites, ce sont quand même des messages qui peuvent être utilisés par l'enfant, qui peuvent être vraiment très importants pour l'enfant, pour instaurer notamment un dialogue avec ses parents. Dans son atelier, les références à la souris la plus célèbre du monde sont nombreuses. Pendant 30 ans, Jean-Claude a travaillé sur les produits dérivés de bon nombre de dessins animés à destination de Disneyland Paris. En 1991, avant l'ouverture, je travaillais déjà pour la publicité, en prévision de cette ouverture. Donc j'ai fait des passeports commémoratifs numérotés, j'ai fait des cartes d'entrée, voyez-vous, avec le bossu de Notre-Dame, et puis toutes sortes d'affichettes vantant les mérites du parc. Mais alors à quoi peut-on reconnaître les illustrations de Jean-Claude Gibert chez Disney ? Là, vous avez devant vous Pocahontas, par exemple. Bon, tout en respectant rigoureusement l'anatomie des personnages, je peux me permettre de faire cette grande perspective d'arbre dans des couleurs orangées, avec la cascade au premier plan. Voilà un petit peu le genre de création, entre guillemets, que je peux me permettre avec des personnages de Disney. Vous n'allez pas me croire, mais à Marne-la-Vallée, sur la 4, nous passons régulièrement devant une de ses réalisations. Au bord de l'autoroute, il y a le Mickey apprenti sorcier, qui donne la direction et les informations pour le parc. Donc ce Mickey apprenti sorcier, c'est moi qui l'ai créé. Mais si ce n'était que Mickey, Jean-Claude Gibert est aussi devenu l'un des dessinateurs officiels de Babar, autre vedette de la littérature enfantine. Laurent de Bruinhoff et l'édition Hachette avaient besoin de quelqu'un pour créer une nouvelle vision de Babar moderne. Babar, on lui a retiré momentanément son costume vert et son petit nœud papillon rouge pour lui donner des vêtements plus contemporains, des vêtements sportwear, des bermudas, le faire coller beaucoup plus au quotidien des enfants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ces personnages s'invitent à l'école, le temps d'un petit cours de dessin. On va commencer à dessiner la veste avec le col. Et le départ du bras. Quand j'arrive dans une classe, je leur pose la question « Est-ce que vous savez dessiner ?» Et timidement, il y a 2 petits doigts qui se lèvent et c'est tout. Mais je leur dis « Non, 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 vous savez tous dessiner. » Et je leur prouve. Oubliez les écrans télé et autres consoles qui freinent l'imagination et la créativité. Avec un feutre pour seul outil, les voilà devenus illustrateurs. Un illustrateur, plus précisément, c'est un dessinateur qui illustre des textes. C'est-à-dire que d'après un texte, il va faire un dessin. Selon moi, je crois que le mieux réussi, c'était le lapin ou Rocky. C'est assez facile. Il faut seulement faire des yeux et une banane. Et aussi, avec les stratégies de Jean-Claude, ça a été c'est assez pratique. Toi, tu peux lui faire bouger la trompe comme ça. Je vous donne un exemple tout simple. Les enfants étaient à lui demander, oui, comment on peut dessiner un loup, comment on peut dessiner le petit chaperon rouge. Et
Par ces techniques, il leur a permis de dessiner à l'ours un triangle, un deuxième triangle, un troisième triangle, les dents. Ils ont réussi à dessiner leur loup, donc illustré, de par le fait, leur version du petit chaperon rouge. Une belle épine en moins dans la main de l'instituteur. Regardez bien, c'est cool la télévision, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rocky, à consommer sans modération. Enfin, il faut choisir. À bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci.